Et salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox. Et c'est un tycoon. Parce que vous savez très bien que je kiffe le tycoon. Vous savez c'est quoi comme tycoon? C'est un McDonald's tycoon. Et je sais pas comment faire. Mais je vais essayer de trouver comment. Ah, là-bas. Voilà. On va créer son McDonald's. Ça doit être un truc à hamburger. Ah non, un truc à Happy Meal. On n'a pas d'argent? C'est à moi ça. Bah. Et là. Ah, parce que c'est là. Un Happy Meal vaut 1$. Même dans McDonald's, ça vaut 4$. Je te jure. I get the money. Money, money, money. Si je me fais kill, je prends un checkpoint au cas où. Comme ça, si je me fais main shot. Parce que oui, dans les tycoons, il peut y avoir des armes. Et si je me fais main shot, au moins j'aurai un truc qui me donnera. Qui me. Enfin, on va compris quoi. Un truc qui me fera. Respawn directement ici. Je sais que j'ai pas assez d'argent, débile. Je récolte la monnaie. Oh, c'est cher. $150 pour un dropper. Ah, moi j'y suis presque à 150$ quoi. Mais c'est pas beaucoup d'argent. Bon bah, je suis à 150$. Ça doit faire beaucoup d'argent normalement. 60, c'est tout. $1000 pour un méga dropper. Bah, en même temps, si c'est un méga dropper, je comprends pourquoi 1000$. Mais c'est quoi ce bruit encore? On l'avait dans le tycoon soccer et. J'ai 300$. 80. D'accord. Mais pourquoi il peut pas? Ah, 80 mes Robux. Ah mais oui, mais moi j'ai pas de Robux. Pourquoi des Robux? J'ai pas du tout de Robux moi. Bah, c'est pas grave. En plus, c'est juste des petits bonus de rien du tout.
Un up grappeur carrément. Et un double et doubler son cache. Et vous là-bas, vous croyez que je vous ai pas vu venir sur Ah, elle a quitté. Ta bouche. Allez, hop, je paye. Hop. Je sais pas ce que c'est, moi. J'y suis pour rien. Bof. Ça doit être des sauces. J'aimerais bien avoir un méga de repère. On va déjà comment? Non, c'est bon, on va payer le méga de repère. Oh, il a l'air trop classe le méga de repère. C'est bon. Je peux me l'acheter. Enfin, presque. C'est bon, là, je peux me l'acheter. Allez, méga de repère. Ah, ouais, ça, c'est un méga. Ah ouais, carrément, c'est $1 l'hamburger qui jette. Non, je veux pas de deuxième méga dropper. Parce que ça vaut du Robux. Et moi, j'ai même pas un seul centime de Robux. Ça va pas la tête. Oh, comment ça va un peu vite? C'est une des taïkons les plus rapides que j'ai jamais vues. Wow. Je suis pas un Happy Meal, moi. Je ne suis pas un Happy Meal. Je suis le directeur du McDonald's Lulu. Allez, hop. On a le restaurant. Je m'en fous du deuxième dropper et tout. Faites-moi disparaître ces boutons, j'en veux pas. Après, ils vont dire ouais. What? Qu'est-ce qu'il fout là, l'Happy Meal? Eh oh! Remboursez-moi, il y a un Happy Meal là. C'est quoi ça? Allez, hop. Je m'en fous. Tout ce que je voulais, c'est récolter mon argent. Allez, hop. Et allez, hop. Pillard. Ouais, c'est un beau McDonald's déjà. Un très beau McDonald's. Hop. On va acheter ça. Ah ouais, d'accord. Ça va, c'est rapide finalement. Oh, qui aurait cru? Hop, McDonald's logo. Où est le logo? J'ai payé pour rien ou? Ah, d'accord. Mais pourquoi il est là le logo? Ah, parce que l'entrée elle est par là-bas. Non? Je sais pas moi où elle est l'entrée. Genre le mec c'est le directeur du McDonald's et il sait même pas où est sa propre entrée. Hop. Je ne sais pas ce que ça a acheté. Ah, elle est là-bas l'entrée. D'accord. Je suis assez en avance. Un débutant qui vient d'arriver il y a 10 minutes. Allez, hop. Quasiment.
À quoi ça sert? On croyait que c'est les drives. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bonjour? Bonjour? Ah, genre, le mec, il change tout. Bon, bah, fais ce que tu veux, hein. Fais comme chez toi, après. C'est pas mon... C'est mon McDonald's. Et vous savez ce que c'est marqué sur les panneaux du McDonald's? Faites comme chez vous. Enfin, c'est... Venez comme vous êtes, plutôt. Ils disent venez comme vous êtes. Alors viens comme tu es. Sauf si t'es un cambrioleur. Et que tu m'as réclamé mon argent. Là, je te reprends l'argent des mains, wesh. Non mais où? Encore un McDonald's signe. Bon bah après. Ah, carrément, je peux changer les Happy Meal. D'accord. Ah, c'est à ça que ça sert. Moi, je veux des verts, s'il vous plaît. Parce que c'est ma couleur préférée. Il y a des verts plus de cette couleur parce que c'est du diamant. Ça fait des émeraudes. Des sortes d'émeraudes. Allez hop. Pas le signe. Où est-ce qu'il est le signe? Ah d'accord, ce signe-là. McDonald's McCafé en gros. J'ai toujours pas assez d'argent. Donne. Je réclame mon argent. Ça c'est rapide, moi qui crois que ça allait être lent. On a déjà presque fini tout l'extérieur. Il me reste un truc à payer, puis c'est tout pour l'extérieur. Et après, je vais devoir décorer l'intérieur. Allez, encore. C'est pas assez, wesh. C'est bon, c'est assez. Ah ouais, genre le mec en fait qui était là-bas, il est en train de prendre sa commande pour de vrai. Oh. Pourquoi il y a une fenêtre? Ah, c'est le drive. C'est sûrement le drive. Mais dans ce cas-là, il doit en avoir deux. Deux fenêtres. Pourquoi une seule? Genre vous prenez la commande et tout là-bas, dans cette seule fenêtre. Donne-moi plus d'argent. Donne-moi plus d'argent, je te dis. Sinon je te... Non. Sinon je te tue. Non, je rigole, je vais pas tuer mon propre magasin quand même. Et c'est pas un magasin, plus c'est un restaurant, qu'est-ce que je dis, moi? Allez hop. Ah ouais, d'accord. Oh, 750 une table, wesh. 750. Mais c'est quoi ce bordel? Mais pourquoi faut toujours que ça vaut cher les trucs qui sont pas chers dans la vraie vie? Dans les jeux vidéo. Wow. Hop là. Allez, on réclame, on réclame, on réclame. Comme ça, je pourrais m'acheter deux tables. Vu qu'il faut 700 dollars, 700 dollars plus 700 dollars égale 14, égale 1400. Alors, une table et deux tables. Oh non. 750, mais je raconte des conneries aussi.
Ça doit être The Table pour coûter aussi cher que cette bêtise. Allez hop. Retourne à l'intérieur du McDo. Mais j'en ai marre de faire des allers-retours à chaque fois. C'est The... What? Mais non, je veux pas m'asseoir. Ah oh ouais, c'est The Table. Allez, The Table. Pour tout ça à payer quoi. Il y a sûrement un deuxième étage ou un espace jeu. Parce que dans le McDonald's, il y a toujours un espace jeu pour enfants. Après, ceux qui sont ici ne peuvent être pas pareils que ceux qu'on a ici, quoi, ceux qu'on a dans la ville et tout. Parce qu'en même temps, là, on est dans le jeu vidéo, alors. On n'est pas dans la vraie vie, alors écoute. Ça se peut que ce qu'il n'y ait pas d'air de jeu là-dedans. Pourquoi il y en aurait-il un déjà? Parce qu'on est dans un jeu vidéo. Ça va pas vraiment nous amuser, hein, de tester des jeux dans des jeux vidéo. Allez, hop. Bucounch on table. 1250, mais c'est pire que si je te disais de m'acheter juste des chaises avec une table. Allez, ben dis donc. Bon bah voilà, je fais mon plein. Je fais mon plein d'essence. Non, je rigole, je déconne même. Ta 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 ta. Allez, allez, allez. Mais non, je monte sur la table, je fais ce que je veux, je suis chef. Wow. Wow. Ouais. Les trucs les plus chers de ma vie. Même un counter, c'est plus cher qu'une table accompagnée d'une conch. Je sais pas ce que c'est conch en anglais. Alors, je vais essayer de récolter plus d'argent possible. Mais pourquoi tu prends mon checkpoint? Après, quand tu seras mort, tu seras réapparu ici, wesh. Et là, c'est mon McDonald's perso. Je n'accepte pas qu'on me vole. Vous avez compris? C'est mes commandes. Elle m'a payé un truc, wesh. Qu'est-ce que vous faites là? Essaye pas de récolter mon argent, toi. Bam. Elle essaie de voler mon argent, ça se voit, regardez. Elle est sur la plateforme. Et elle croit qu'elle gagne de l'argent en faisant ça. Mais elle ne gagne rien. Mais rien du tout. Je m'en fous de ça. Allez hop, poubelle, poubelle. C'est pas grave. Je m'en fous. Tant que je joue au McDo. Allez hop, s'en fout de ça. Je paye un truc sans le vouloir, mais bon. Hop. Ah, d'accord, là. Je comprends pourquoi c'est autant cher. Parce que c'est pas des chaises, c'est des canapés. Et des canapés qui ont 4 places. Enfin, 2 places. Mais 2 canapés de 2 places. Alors, c'est comme si tu avais acheté un canapé de 4 places. Ça vaudrait le même prix. Lâchez-moi, bordel! Il est bien beau le restaurant des voisins. Et tout là. Moi, j'ai bientôt fini. Wesh, j'ai 1700 de cash. Nanana, je suis le Thug Life. Non, je déconne.
Bonjour, ma table. Allez, hop. Un counter, what the fuck? Mais qu'est-ce qu'un counter, wesh? Dis-moi ce que c'est un counter, sinon je t'éclate la... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Non? Happy Meal vert. D'accord? C'est les verts qu'il faut. Parce que c'est ma couleur préférée, vous voyez? Non, elle voit pas, elle est aveugle. Elle veut récolter mon argent, mais elle est folle, elle. Elle peut même pas. Parce que c'est mon tycoon. Allez-vous chercher un McDo ailleurs, s'il vous plaît. Parce que si c'est pour me voler mon fric aussi, c'est pas la peine de venir. Counter. Ah. D'accord. C'est genre un mur. Et si, je suppose qu'il veut avoir le drive et tout là. Bah ils sont où les jeux? C'est un McDo, non? Il devrait avoir les jeux. C'est-à-dire quoi, register? Counter design. Register. Et register. Mais c'est quoi votre problème avec les registres et tout là? J'ai rien demandé de tout ça, wesh. Et toi, t'essaies plus de voler mon argent, what the fuck, elle est partie où? C'est pas grave, on s'en moque. Tant que j'ai 1500. Ça, c'est pour me payer tout ce que j'ai à l'intérieur à payer. Enfin, surtout un truc à 1500. Ça devrait le faire. Allez, hop. Ouais. Ah, c'est ça. Les registres. Mais ça vaut aussi cher un petit écran. On peut taper dessus? Oui, je voudrais un Happy Meal, s'il vous plaît. Mais est-ce qu'on va avoir de la bouffe à distribuer? Cachier? C'est quoi cachier? Ah, je crois savoir ce que c'est. La boîte où tu mets ton argent, c'est ça? Parce qu'un cachier, cash, ça veut dire argent, non? Quelque sorte. J'ai toujours pas assez d'argent. Alors donne-moi de plus en plus d'argent. Je crois que je vais bientôt terminer mon McDo, moi. Je suis le meilleur exemple de McDonald's. Counter désigne. Ah, d'accord. D'accord. Eh, wow. Et après, on va devoir payer le cachier. Qu'est-ce qu'un cachier? Je n'en sais rien. Mais pourquoi il n'y a pas d'air de jeu là-dedans? Dans ce McDonald's, il n'y a pas un seul air de jeu. C'est chiant. Il n'y a pas d'air de jeu dans mon McDo. Et les gosses, ils vont s'ennuyer après. Ouais, c'est bien beau d'aller au McDo, mais ils sont où les jeux, papa? Je sais pas. Je vais demander au mec. Ah, ils ont pas poussé aux toilettes aussi. Les toilettes. Pourquoi il n'y a pas de toilettes aussi? Faut bien des toilettes. Mais arrêtez avec ce cachier là. Cachier. Ça me débloque des trucs, mais des cachiers. Allez. Plus vite. Escargot. Pas lentement, pas sûrement. Allez hop. Je récolte et puis c'est tout, hein. Je suis le chef ici. C'est moi le chef, t'as compris? Machine. Et quand je dis ça, tu dis oui, chef. T'as compris, machine? Oui, chef. Voilà, c'est mieux comme ça. Je déconne. Oui, chef. Non, mauvaise réponse.
Vous aurez 18 ans de tôle. Genre la punition la plus ultime du monde. 18 ans de tôle, juste parce qu'elle a dit oui, chef, vous êtes débile. Hein, ça vaut que 1 000 $. Ouf! La somme que j'arrive mieux à atteindre. 1 000 $, je l'atteins en quelques secondes. J'aime pas trop attendre. Comme tout le monde. Oh, laisse-moi. Bon, moi, je veux juste de l'argent, quoi. Je veux pas payer un truc avec du Robux non plus. J'ai même pas 1 centime de Robux, tu comprends? Qu'est-ce que j'irais foutre à payer un truc de Robux si j'ai même pas 1 centime de Robux? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Ah, c'est des caissiers. Ah. Des caissiers. Il y a le caissier numéro 1, ouvert 24 heures sur 24. Vous pouvez venir dans ce McDonald's. Il y a au moins un caissier. Vous pouvez prendre des Happy Meal pour les gosses. Tout ce que vous voulez. Enfin, du mieux que vous voulez, quoi. Venez comme vous êtes. Allez hop, je m'enfuis. Non, je blague. Je vais juste payer quelque chose. Bonjour le cachier. Pourquoi cachier? Ça me fait penser à un truc dégueulasse. Je pense que vous savez de quoi je parle. Je veux dire que c'est pas marqué cachier et que c'est marqué cassier. Nous avons 2 caissiers. Et nous allons en recruter un troisième. Dans 2 secondes. Allez hop. On met le top chrono. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous avez prévu. Vous avez vu? J'avais bien dit dans 10 secondes. Et voilà. En 10 secondes, le troisième caissier qui est apparu. Et après, bah, il y a un Innerwall. Quelqu'un sait ce que c'est que cette chose? Un Innerwall? J'ai jamais entendu parler de machine appelée Ninerwan. Mais bon, c'est pas grave. Donne-moi juste du fruit, quoi. C'est bon, 1 500, ça va. Je vais me payer le Innerwall. Le Innerwall. Bienvenue au McDonald's, terminé. Enfin, je sais pas si je vais acheter le Innerwall, il va avoir des trucs à payer encore. Ouais, il est pas vraiment fini en fait. Mais dis pas que c'est l'aire de jeu, parce que si c'est l'aire de jeu, les gamins ils doivent passer par les caissiers. Et non, je pense pas que ce soit l'aire de jeu. Ça doit être comment les trucs où ils préparent les Happy Meal et tout là. Parce qu'il y a des pièces comme ça. Mais pourquoi ils ont pas mis les toilettes? Les toilettes? On a besoin des toilettes. C'est très urgent. Waouh, j'ai déjà 1 500 de la roche. Ça n'est pas grave. On en est quand même à 30 minutes environ. $1 500. Hop. Ouais, c'est bien ce que je disais. Oh. Freezer, freezer, frieur. What the hell? Freezer, freezer, frieur, frieur. Vous croyez que ça a un rapport avec les displays monitor? Je crois pas, non.
Je vais juste prendre l'argent. On va voir c'est qui le boss de la map. C'est qui le patron? C'est lequel patron? Le patron, pardon. Parce que moi j'ai atteint les 2100. Les 2200, frère. Les 2200. 2222. Non, je rigole. Les 2251. Un prix très extraordinaire. Tu peux payer trois trucs comme ça avec. Puis de poils. Trois trucs comme ça. Je sais pas ce que ça m'a foutu. Ah. Ah, ça. Ah. Ah, mais ça doit être les trucs qui disent ce qu'il y a à bouffer, quoi. Ce qu'il y a à acheter. 1 000 $. Faut que j'ai 4 000 $. Bonjour les caissiers. Je travaille 24 heures sur 24 et je vous donne tout ce que vous voulez. Gratuitement. Wow, popo. Là, on peut dire que c'est une très belle somme. Je suis à peine parti pendant 1 minute. Ils m'ont déjà ramassé 1 000 $, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que j'attende 3 minutes pour qu'ils me donnent 1 000 $. 3 000 $. Ah, oui, un frayeur. Ah, bah oui. Frayeur. Je sais pas. Et après, il y a les freezers. Je sais pas ce que c'est. Mais oh, oh, oh. C'est pas l'heure de ma pause. Moi aussi, je travaille 24 heures sur 24. Sinon, mes caissiers vont dire « Ouais, mais vous êtes plus payé que nous et vous travaillez moins que nous. Comment ça se fait? C'est pas parce que vous êtes le chef que vous avez tous les doigts. Oh, oh, oh. » Oh. Et après, ils vont vouloir que je leur donne des pauses aussi. Alors. Oui, je sais, c'est des faux caissiers. Ils sont pas des personnages réels comme cette personne qui va entrer dans mon magasin, dans mon McDo, pardon. Qui est français ici, hein? J'aimerais bien le savoir. Hop. C'est moi ou il m'a fait un coucou, le mec? À moins que c'est une femme. On a vu, c'est une femme. Là, chez moi. Je sais pas ce qu'elle fait là-bas. Mais elle se rend pas compte qu'elle peut pas vraiment commander des trucs. C'est pas un vrai McDo, hein. Tu crois quoi? C'est qu'une Tycoon. Même si dans la Tycoon Pizzeria, on pouvait donner des pizzas et tout, bah, je pense pas que dans le McDo. Oui, vous m'attendiez? Bon, bah, je sais pas ce que ça veut dire, non? Ah, du poulet. Ah bah oui, pour les nuggets. Bah oui. C'est un frigo, quoi. Une sorte de frigo. Oui, qu'est-ce qu'il a, Spyro Dragon? Mais c'est un prénom d'un Skylanders, Spyro. Si, Spyro, c'est un Skylanders. Elle est bien française, elle. Si, elle est française, ça se voit. Comment on écrit Spyro Dragon? Spyro. Non. Dragon. Tu es français. On va mettre entre parenthèses E. Parce que ça peut être une fille. C'est E. Spyro Dragon. Tu es français. Spyro Dragon. Je parie que c'est un français ou une française. Parce que Spyro Dragon, tu vois.
Bof. Oh. Calme-toi, Spear Dragon. Si elle me répond par oui. Ou il, je sais pas. Oh, j'ai eu le temps d'avoir 4000 dollars, wesh. Si elle m'a dit oui, alors là, je suis étonné. J'ai tout payé déjà. Mais toi, t'es employé. Je l'ai jamais employé. Il y a forcément un truc à payer là. Je l'ai terminé, mon McDo. Sérieux? Non, il y a un truc encore, je parie. Il y a forcément un truc à payer. Intérieur ou extérieur? J'ai fini cette map. C'est sérieux? Je me demande si je l'ai fini. Je vais faire le tour dehors, voir s'il n'y a pas un truc qui a spawn dehors, par hasard. Bonjour. Non, y a rien à payer. Même pas un parking. C'est pas sérieux. On l'a bien terminé. On l'a terminé. Les autres, ils sont tous partis. Oh non. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et tout, la cloche et tout. N'hésitez pas, surtout pas. J'espère que vous le ferez. Moi, ce tycoon de McDonald's, c'était un truc de ouf. Même s'il aurait pu, ils auraient pu rajouter une aire de jeu pour les gosses. Les toilettes, les parkings et tout. Elle m'a quand même très plu cette map. Est-ce qu'il m'a par-dessus tout plu? C'est qu'en fait, je l'ai faite avec vous. Ah bah si, il y avait bel et bien un parking que je n'avais pas vu. Je me disais aussi, c'est étrange, pourquoi y a-t-il un truc noir s'il n'y a pas de parking? Ouais. Bon bah, ouais. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu. Ce qui m'a le plus plu, c'est de faire cette vidéo avec vous. J'ai vachement aimé cette map. Et donc, voilà. On se dit à la prochaine. Et voilà. Juste à la prochaine. Bye bye. J'espère que ça vous aura plu.